promu ambassadeur de la République démocratique du Congo au Qatar, Mme Valérie Lusamba Kabeye a présenté ses lettres de créance qui l'accréditent dans l'émirat gazier du Golfe. La cérémonie de présentation des lettres de créance à l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a eu lieu le 6 novembre au palais princier de Doha. Congolaise de la diaspora et riche d'un parcours professionnel dans les médias et la promotion des services d'innovation en TIC aux États-Unis, Son Excellence Valérie Lusamba Kabeye arrive dans le pays du Moyen-Orient après la signature, en mars 2022, d'un accord général de coopération économique, commerciale et technique entre la RDC et le Qatar. Bakoka kotelema makamyo so bakosala ezala na lolenge ya kitoko parce que ndenge baboti na biso na bakoko na biso bazalaki mukileza ko bongwa ma mukileza ko makambo ebelezo salema oto zalaki na ona tango na biso te alors tozo singa bilenge basi c'est vrai ki na mbangonga oyo ezali susu ndenge zalaka te me bayi kampiko pe ba die ba ke eloro bazosala basala ona ndenga bolamu ba jeune fille belé ba komika musala na bango depuis bazalaki na ba TikTok ba luka sumu sala te balingi via bo peta facilité côté kanzoto makambo belé belé ou bien ko landa baninga tozo singa na bango ko landa landeza kitoko te soki azana na détermination na ayebi ke tanga so na kosala loko boy e ko tosa mape ko sala mana zo singa bango en tout cas bazala na courage makasi ba ye ba ke na minute yo ba mona ki tozana na balole elenge elenge me er moko baroko marape mikolo barotalaka na sali nini na bomo inanga vinanga eleki na sali nini alors sikoyo ndi foko préparer à venir na bango babosa na ngote baza elenge sikoyo mais dans quelques années baroko marape bakoko soki nzambe a prêté biso vie. Vous n'allez pas évoluer, vous devez être déterminé à ce que vous êtes.
je veux avancer, je fais comme ça. Vous dites que je fais comme ça, vous êtes en train de rêver. Sur les TikTok, moi. Mon frère, femme de vous, vous êtes rien du tout. Vous devez être bien, vous devez avoir une détermination dans votre vie. Si vous devez réussir, levez-vous le matin, allez chercher ce qu'il veut apprendre, allez apprendre. Même si vous allez à l'endroit pour qu'on vous donne du travail et qu'on est en train de vous demander allez, de passer sur le canapé, c'est à vous de dire oui et non. Ce n'est pas le dernier travail qui existe sur cette terre parce que quand on va vous demander de passer sur le canapé, vous allez passer. Mais où est la conscience? Votre conscience, oui. Et après de ça, vous acceptez et vous vous sentez humilié. Ok, je suis passé avec le chef. Ça peut être seulement que le chef aime. Mais deux jours après, il y a une autre. Hein, et vous voyez. Et un jour après, il y a encore une autre. Vous commencez à vous sentir. Là, la conscience commence à travailler. Je suis désolée. Le chef vous a pris pour sa chose. Vous devez vous lever, vous dites non, ça suffit maintenant. C'est vrai que ce n'est pas facile. Mais vous devez, il n'y a personne. Personne qui viendra prendre votre place parce que je veux. C'est à vous, là, je dis d'être déterminé. Moi, en ce moment, je demande où est la chaussée. On ne demande pas. Et ça fait des années. On ne va pas me demander où est la chemise. On ne va pas me demander où, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que je programme tout ça. Alors la jeune fille, vous devez apprendre quand les idiots disent oui, quand les idiots disent non. On a parlé beaucoup de mariage. Mais la jeune fille qui veut se comparer à l'homme, alors là, ça ne va pas. Si vous dites que même une jeune fille me dit mon mari ne veut pas que je travaille, mon mari ne veut pas que je bouge, mon mari ne veut pas ce ça, mais moi je veux. Mais au début, vous devez apprendre à vous connaître. Si vous voyez que cette relation, dans ce mariage, ça ne va pas m'apporter ou bien il est en train de mettre le bâton dans les roues, en tout cas, chère jeune fille, réfléchissez avant d'entrer dans un mariage pareil. Parce que ce moment 2022, je suis désolée, ce n'est pas seulement l'homme qui doit tout apporter. L'homme va chercher, la femme aussi va de l'autre chercher. Cherchez de l'argent et vous retrouverez la femme du monde. Vous compléter. La femme, moi j'appelle la femme. La femme a un service de management. Le matin, elle a les enfants, elle a le mari, elle a tout, elle a le travail, elle a ses occupations à côté. Si vous arrivez à faire ça, vous pouvez gérer les entreprises. En tout cas, la jeune femme, je vous encourage d'être ambitieuse. Soyez ambitieuse, déterminez-vous, je veux être autonome dans la vie, ça veut dire que je ferai ceci, cela. Vous planifiez, mais je répète, de ne pas être impoli. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont abolis, il y en a beaucoup qui sont abolis, parce que je suis en train de rouler, il y a une dame, une jeune fille qui colle, il entend de la coller, le monsieur qui est grand, tu ne fais pas pour moi la mission, tout à l'heure. Mais il y a des histoires qui se font pas dehors, rentrez chez vous et participez pour ça, régler vos histoires. Vous devez gérer votre routine, vous devez avoir être avoir une planification. Ok, l'autre a une voiture, moi aussi je veux acheter une voiture. Est-ce que vous savez comment c'est acheter sa voiture? Cherchez, mais dans le bon sens, obéissez. L'argent, ça ne serait pas bon. Sincèrement, je vous dis merci de m'avoir invité aujourd'hui, mais comme on a le droit à 5 minutes, je vais m'arrêter par là. J'encourage la jeune fille, foncez, allez de l'avant, mais dans le droit chemin. Merci beaucoup. Je tourne la face vers nos mamans qui sont ici avec nous. Nous subissons des choses dans la société qui aujourd'hui ça ne peut pas nous favoriser. Les bons gens, vous allez trouver nos mamans nous-mêmes, parce que je suis aussi maman, je ne suis pas jeune, parce que si je prends les 18 ans de service, ajouté avec l'année que j'ai terminée, je quitte déjà l'âge de la jeunesse. Mais nous, les mamans, qu'est-ce que nous faisons avec la jeune fille? On grandit ensemble, mais souvent on dit toujours non. Moi, je suis en train de me faire la santé. Vous oubliez que ça nous affecte et ça nous réduit. Parce que c'est nous-mêmes que nous, si nous subissons aujourd'hui, c'est par cause de ce que nous avons vécu. D'habitude, dans la société, moi, je suis en train de me faire. Et nous prenons ça, nous mettons ça dans notre tête.
une femme ne peut pas beaucoup étudier. Moi, j'ai des amis qui ont dit qu'une femme ne peut pas beaucoup étudier. Aujourd'hui, ils regrettent parce que je me suis mariée et je travaille. Vous voyez? Disons, si dans la société déjà, on pouvait commencer à dire un être humain ne peut pas faire ça. Aujourd'hui, nous avons des hommes violents. Parce que c'est comme si c'est une caractéristique pour les hommes. Nos mamans, papa, tu es en classe, quoi, lui? Moi, on va aller à la rata. Il fallait un peu mettre ta. Oui. Moi, dans mon bain, il fallait qu'un peu ta. Vous oubliez que vous armez cet enfant d'une violence. De l'autre côté, il n'est pas violent. Non. Moi, ça, c'est la salité. Donc, moi, ça, c'est la salité. Mais c'est l'homme qui doit être sale. Bakoulou n'a pas outil des mamans. C'est ça, caractéristique et agent. Je remercie mes parents parce que nous, on a quitté de ça. Et c'est ça ce qui m'a donné la force. C'est ce qui m'a donné la force. C'est-à-dire, ce que nous réclamons, nous les femmes, c'est le droit. Parce qu'il n'y a pas un droit où l'homme possède, que moi, étant que femme, je ne possède pas. Jeune fille, il n'y a pas de droit que l'homme possède et que la jeune fille ne possède pas. Si nous commençons par là, je pense que nous allons nous dire, moi je me souviens, on m'a demandé de parler de mon expérience. Mon premier travail, j'ai fait, là j'étais encore dépassée des guerres. J'ai quitté l'Itourie à pied, j'ai fait Béni. Et là je me suis retrouvée, le parent n'était pas avec nous. Bien sûr on était avec la maman, mais le papa n'était pas avec nous. J'ai regardé, qu'est-ce que je dois faire? Et j'avais quel appareil photo que mon père m'a laissé. Et c'est avec ça, c'était l'appareil photo et la caméra. Donc c'est ça que j'ai commencé avec ça. Et une fois, je me souviens, on m'a recruté dans une ONG, c'est parce qu'ils m'ont vu que j'ai filmé. Jeune fille, je pense que là j'étais encore premier graduée. Filmer, prendre des photos, ça ne demande pas nécessairement d'être à l'école. Mais ça demande comment, madame l'a dit, la détermination. Essayez de voir. Oui, on a dit, je dis, bon, je vais parler de mon expérience, c'est bien. Mais je sais qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui se disent, mais on va commencer par où? On va commencer par où? Moi, souvent, je dis, on va commencer par où? Nous terminons les études. Parfois, nous sommes 500 étudiants terminés en médecine. Chacun va faire sa fête avec au moins $500. Chacun, fête. Faites $500 pour la somme de 4. Essayons un peu de réfléchir. Parce que là, on peut toujours se demander, on va commencer par où. Je sais que Kinshasa, c'est difficile. Parfois, nous pouvons donner des expériences. Moi, je viens de l'intérieur. Mais ce n'est pas la même chose que Kinshasa. Mais Kinshasa aussi, nous pouvons sortir. Nous pouvons sortir de ce que nous voyons aujourd'hui. Je vois par exemple les étudiants. Si nous prenons cet argent que nous pouvons faire des collations de grâce, nous allons dire que non. Non, mais Kawawa, la fois passée, je suis allée à Mekawa. La parcelle, c'est $500. Nous prenons cet argent-là, $500. Qu'est-ce que c'est que ça, étudiant, en médecine, tout ça, l'expertise, $500. Nous devons, tout ça, la relation, tout y avoir. Je pense qu'on va faire des hôpitaux. On va faire des hôpitaux. Je regarde nos sœurs qui terminent à Isan. Donc, ils sont la bande à peine. Les jeunes filles, les mamans congolaises. La jeune fille va se dessiner, surtout au Mika, vous ne pouvez pas mettre ma machine, tout tient moi, tout va d'après le Christ. On ne peut pas commencer. Parce que c'est bien beau de dire, je regarde, nous pouvons parler de notre expérience, oui. Dans l'expérience, il faut la détermination. Moi, je dis, c'est la détermination qui m'a fait être aujourd'hui aux Nations Unies pendant les 18 ans. Parfois, quelqu'un me demande, tu as l'administration? Je dis non. Je suis officier major. Je suis spécialiste. Vous voyez? Peut-être que nous pouvons dire, cela ne peut pas nous empêcher à chercher le travail. Ce que j'ai dit là, ça ne peut pas nous empêcher à chercher le travail. Regardez celle-là qui est au terminal en agronomie. Amekao, il y a des... Kigakati, partout là, il y a des terres. Nous terminons à agronomie. Nous faisons quoi? Nous allons toujours attendre que les parents puissent faire quoi? Oui, on peut dire que jeune fille, oui, tu aussi te souviens révélé, il y a le poids de la culture qui pèse sur nous. Il y a le poids de la culture, comme madame vient de dire,
on ne peut pas lui demander chaussettes, on ne peut pas lui demander quoi. Mais si on avait aussi appris à ces garçons-là de chercher aussi et d'arranger ses habits, elle pouvait aussi faire et épauler aussi madame. C'est bien, c'est des bons conseils. Mais nous tous, ce que nous réclamons dans les gens, c'est que la participation de tous. C'est la participation de tous. Nous venons au travail et nous pouvons avancer. Moi, je peux faire la sauce, mon mari peut faire aussi les foufous, ça ne dérange pas. Mais mon mari ne peut pas faire ça si sa maman n'avait pas montré ça. Si sa maman ne lui a pas dit que tu es une personne à part entière, tu peux aussi faire. Vous voyez? Parce que ce n'est pas dire que, moi j'ai dit, et les cours de genre là, j'aime bien donner ça à la prison. Je donne ça bien à la prison, parce que je regarde les hommes comme ça. Je dis maintenant, toi tu es ici. La femme que tu as refusé qu'elle puisse travailler, la femme que tu as refusé qu'elle puisse s'épanouir, elle va donner quoi à la prison? Elle va te donner quoi à la prison? Elle va te donner quoi à la prison? Elle a que son corps. Tu ne l'avais pas appris. On ne gère pas les femmes, les hommes. On ne gère pas les femmes. Les cours de genre, là, on ne vient pas attraper les femmes. On ne vient pas attraper. Non, aujourd'hui, 18 ans que j'ai fait un service, c'est grâce aussi à mon mari qui m'a épaulé. Mais on ne vient pas attraper les autres. C'est la contribution de tous, comme maman a dit. C'est-à-dire, même dans les villages, parce qu'on dit que non, les bureaux là, quand vous êtes... Non, une femme qui n'est pas bien éduquée n'est pas éduquée. Ce n'est pas parce qu'elle part au service. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que là, on nous a demandé de parler de nos difficultés. Moi, mon difficulté, c'était, j'ai terminé les études et au même moment que mon mari est venu chercher à prendre ma main, et au même moment que j'ai eu les travaux aux Nations Unies. Et les gens ont dit, les femmes ont des messes légères. Ceux qui ont dit, c'est ma cassité, voilà, il va ici matin. Mais, quand on est ensemble, on est en train de voir aussi l'apport de tous. Aujourd'hui, il m'appelle ingénieur. Parce que ma maison, là, j'ai fait ça moi-même. Les plans, je les fais moi-même. Parce qu'il y a tout aujourd'hui dans les YouTube. On va chercher quoi. Si vous allez dans les YouTube, faire quelque chose, ça, argent, vous allez voir ça. Moi, je vais demander au cher, et je voulais laisser un slogan entre vous, parce que je vais demander, après ici, on va faire quoi? Encore des conférences? Des organisateurs? Après ici, on va faire quoi? Encore des conférences? Non! Pensons qu'il y a des pratiques. Hein? Faisons des pratiques. Si vous avez organisé de prendre des véhicules, aujourd'hui nous luttons contre le changement climatique. Vous avez vu ce que sur la carte d'abysse, donc nous l'avons avancé dans le même cas. Ok. Fire. Conférence, c'est bien. On est là depuis 12 heures. Moi, j'étais ici à 12 heures. Et je regarde l'air, je dis, je laisse aujourd'hui. Hein? Donc, changez mon bambou d'aboyé. Je voulais laisser un slogan, parce que je ne connais pas tout le monde, mais je voulais dire, nous sommes à haute aux alliés, jeunesse, nous allons faire la différence. Okay. Nous allons faire la différence. Jeunesse! Jeunesse! Nous allons faire la différence! Jeunesse! Nous allons faire la différence! Tout ça, la différence! Pendant des conférences comme ça, tu viens, tu vas faire tes lobbies, tu vas faire tes lobbies, tu vas faire tes lobbies. On fait quoi? Moi j'avais vu la souffrance, c'est pourquoi j'avais pris l'appareil photo. J'ai dit je vais faire mon travail. Et si on m'a engagé dans une ONG, c'est parce que j'ai local. C'est à cause de cette ONG, quand j'ai postulé aux Nations Unies, effectivement, je sais que bon, peut-être parce que moi j'ai fait la littérature anglaise. Il y avait aussi le test canadien. Mais c'est parce que j'ai commencé quelque part dans une ONG. Ils ont vu l'expérience. Conférence, c'est bien. C'est bien les jeunes. Si on dit aujourd'hui c'est le samedi, pour ça, le nettoyage de la commune à Calame, on ne va pas aider le gouvernement. Mais c'est notre natiche. Les marches de santé, là, c'est quoi? Marches de santé, c'est bien. Mais ça nous amène quoi? Non, on va accuser le président, on va accuser. Jusqu'à quand? Et moi, je dis toujours, la force, c'est vous. La force, c'est vous. Ce qui va changer mon cas, c'est la jeunesse. Et c'est vous. Tout le monde, ça l'atelier, disons, salon de coiffure. Après, Morel, Togo.
Tolomie, si on a tout dit, a dit de là, dit de là. Tout ça combien? Ton fongolade. Tolomie, tout ça, la vie là. Mais si on a tout dit, a dit de là, dit de là. Tout ça, la maté. Alors, l'homme est sous conférence. Après, on a conférence. C'est bien. Mais je vous encourage. Laissez toujours travailler dans les synergies. Faire des synergies, travailler. Parce qu'en travaillant, même si on dit on va aller dans le monde politique, sans argent, tu ne peux pas me faire. Beaucoup de gens ont parlé, Nani. Mais ceux qui ont la bilanga, la vie, ceux qui ont la vie, 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 nous sommes retrouvés campus de Lubumbashi, Lovanyu, et qui s'agagne 37 personnes. 37 personnes. Alors, pour nous encourager, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le gouvernement a dû décider que pour la bourse, parce que nous étions boursiers à ce moment-là, on donnait à ceux qui faisaient les sciences exactes 35 zaïres. 35 zaïres. Tandis que ceux qui faisaient les sciences qu'on appelait les sciences humaines, donc c'était la moitié, 17 et demi. Ça incitait les gens
Donc, embrasser ces sciences-là. Parce que bon, les autres, quand vous faites la sociologie ou quoi que vous faites, même pour aller faire votre mémoire ou votre thèse, vous allez demander, interroger les gens, micro-baladeurs, et vous vous réunissez, vous venez quelque part, vous synthétisez. Mais nous, ce n'est pas ça. Il faut dormir au laboratoire. Il faut synthétiser quelque chose. Quand je vous parle ici, moi par exemple, avec mon ami Moulena Mbobo, parce que moi aussi je suis jusque là, madame, je suis donc, disons, chef des travaux en peu technique. Je donne la chimie, bien sûr. Mais avec mon ami, on a synthétisé un médicament. Nous avons donné le nom de sa fille, qu'on s'appelle Mathésia. C'est à partir des plantes que nous avons fait ce médicament-là. C'est-à-dire qu'on traite toutes les plaies. Donc, disons, que ce soit le diabète, les plaies de diabète, que ce soit, donc, disons, les mbasu, que ce soit quoi, et même d'autres maladies. Mais c'est en recherchant, comme l'a dit le professeur, il faut demander, vous trouvez la feuille, vous devez vous demander quel est le contenu de la feuille. Vous prenez donc de la terre, vous devez savoir quel est le contenu. Donc ce ne sont pas des sciences faciles, ça demande qu'il y ait aussi une organisation du côté de nous, les autorités. Nous devons voir ce qu'il faut faire pour qu'on puisse donc, disons, booster donc, disons, la science. Et moi je pense, professeur, que aussi la structure même de la formation, ce n'est pas normal ce qui se fait chez nous. On bourre les gens, donc vous faites les sciences, mais un des temps, on vit avec ces filles, on vous bourre. Non, moi j'ai des enfants qui sont en train de faire leurs études aux États-Unis. Déjà en quatrième secondaire, déjà, l'enfant a dit, moi je veux faire donc, disons, les ingénieurs. On commence à mettre là-dedans les cours d'ingénieurs. Je veux faire la médecine. On commence à mettre là-dedans, donc, disons, les cours de médecine. Je fais le droit. On commence à mettre les notions de droit. Vous montez, tout en sachant que ma filière, c'est celle-ci. C'est même difficile d'aller faire des aventures et changer. Mais ici, chez nous, quand vous arrivez, vous bourrez de tout, vous avez ceci, donc, à un moment donné, nous sommes étourdis. Et puis, quand nous terminons, nous savons plus exactement qu'est-ce que nous devons choisir. Et là, c'est un grand problème et il faut qu'on repense le tout. Toute la formation, il faut qu'on puisse la repenser. Et moi, je pense que j'ai suffisamment d'expérience pour que je vous parle de ça parce que j'ai fait d'abord, tout en étant au campus, je n'ai pas continué à faire jusqu'à doctorat. Pourquoi ? Parce que j'ai fait justement ce que madame, le professeur a dit ici. Moi, je me suis marié trop tôt en tant que fils aîné, trop jeune. J'ai terminé mes humanités avec mon fils aîné. Donc, quand on a dit, prenez la bourse, allez faire les études, j'ai dit, non, si je pars, je laisse la femme et les enfants, finalement, on ne sait pas comment le foyer va continuer. Donc, j'ai choisi, c'est comme ça que, comme vous aussi, nous mettez de force dans l'administration, autant d'années que vous avez été à l'université, vous devez renforcer l'administration. J'étais à l'économie, industrie, petite et moyenne entreprise, attaché d'audit, attaché de premier chef de bureau, chef de directeur, secrétaire général. Je suis secrétaire émérite. Avant d'entrer maintenant en politique, pour être vice-ministre, ainsi de suite. Je suis député aujourd'hui. Mais donc, ça demande vraiment que ça soit, tout soit repensé, tout. Il faut vraiment revoir tout et encourager nos filles. Il faut encourager nos filles, qu'on trouve un système pour encourager nos filles. Je sais que nous, les hommes, on va dire que c'est une discrimination, pourquoi on donne seulement aux filles. Non, il faut qu'on puisse aussi faire de sorte que nos filles puisse embrasser, comme le professeur a dit, c'est la vérité. Sans technologie, sans recherche, vous pouvez monter, descendre. Parce que moi ici, au niveau de l'Assemblée, si même quand on parle du budget, je dis toujours, si vous ne voyez pas le problème de technologie, de recherche, vous ne mettez pas un budget suffisant, ne parlons pas du développement. Voilà, c'est le village. Et je remercie également l'excellence Marie Karoumé, ici représentée, bien sûr le conseiller déjà parti, pour sa participation. Je remercie l'honorable Célestin Boudou pour sa participation. Je remercie mes professeurs qui sont là, ils ont intervenu. Je remercie l'équipe organisatrice, Madame Princesse Aurélia
Madame Bénédicte, Madame Brenda, Madame Tabitha, je remercie également notre modérateur, cher écrivain Lévy. Il ne s'est pas présenté, je pense. Je remercie et je salue la présence de notre président provincial ici présent, Mayamba Trésor. Merci beaucoup, cher président. Je remercie également les autres qui n'ont pas pu intervenir, d'autres discours qui devaient venir après. Mais sinon, Elenge Mwasimi Yeba, c'est un programme. Ce n'est pas une activité, ce n'est pas un événement, mais c'est un programme. Nous avons commencé aujourd'hui, mais nous n'allons pas terminer aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs autres activités qui viendront, une diversité de événements qui viendront justement à l'intérêt de la jeune fille, à l'intérêt des hommes genrés et à l'intérêt de nos parents qui doivent nous encadrer et de nos encadreurs. Ainsi, cette initiative de Lingue Mwasimi Yeba, c'est une initiative de jeunes femmes du moment, un consortium bien sûr, qui est constitué des différentes jeunes dames qui dirigent actuellement les différents conseils communaux de la jeunesse dans la ville de Kinshasa. Et on s'est mis ensemble, on s'est dit, longtemps nous avons resté dans les silences et maintenant nous allons dire non. Nous allons dire non aux violences. Nous allons dire non au silence parce que nous avons longtemps été complices et là nous sortons du silence pour non seulement nous former, nous informer, mais aussi mener des plaidoyers, mais aussi chercher des mentories. Ainsi, nous avons besoin non seulement de la ressource humaine, mais aussi de la ressource matérielle, financière, de mentoring. Nous avons besoin de coachs. Ainsi, pour nous encadrer, et nous, nous allons encadrer cette génération qui viendra après nous. Une génération passe, l'autre remplace. Aujourd'hui, jeune fille, demain, nous serons mères. Aujourd'hui, nous sommes encadrés, demain, nous allons encadrer. Aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre, demain, nous allons apprendre. Alors, nous voulons que vous nous accompagniez d'une manière ou d'une autre. Nous restons ouvertes à vos recommandations, à vos remarques, à vos soutiens. En tout cas, nous avons besoin de vous. Ainsi dit, je vous remercie. Responsabilité, nous avons représenté Madame la ministre des Relations avec les Parlements, parce qu'il faut le rappeler qu'elle est d'abord dame. Elle a été élevée à la dignité au rang du ministre national des Relations avec les Parlements, le consortium des jeunes femmes du moment. Nous avions invité, voilà pourquoi nous avons répondu à cette invitation. L'activité s'est bien déroulée, il y a eu le partage des expériences, il y a eu un panel des experts qui ont aussi exposé sur les différents sujets. Et voilà, donc c'est en bref ce qui a justifié notre présence en ces lieux, en ces beaux cadres. Du palais du peuple. Bon, nous, on a été invités ici en notre qualité de conseiller de Madame la ministre des Relations avec le Parlement, parce qu'il faudrait d'abord signaler que c'est une dame, elle est une dame qui a été élevée à la dignité nationale, au rang du ministre national des Relations avec le Parlement. Et il s'agissait d'une activité organisée par les consortiums des femmes du moment qui nous ont réservé une invitation à l'honneur. Alors, il a fallu que nous puissions venir représenter l'excellence Anne-Marie Kaoumé, qui était un tout petit peu empêchée pour multiples occupations aussi institutionnelles, comme vous le savez bien. Alors, le programme Elenge Mwasimi Yeba, c'était un programme qui était aujourd'hui à l'ordre du jour. Nous avons lancé l'activité et puis il y avait aussi un panel des experts qui a exposé sur différents sujets, sur différentes orientations. Il y avait aussi un partage d'expériences avec des dames qui ont vécu aussi des moments qui ont exposé à l'endroit de la jeune fille, surtout particulièrement. On a parlé de la jeunesse d'une manière générale, mais d'une manière particulière de la jeune fille qui devra en réalité fonctionner avec détermination, avec encouragement. Elles ont demandé à la jeune fille de travailler avec perspicacité, de travailler avec encouragement, de foncer, d'aller de l'avant, parce que dans tout chemin, dans tout parcours, il y a des obstacles. Et que les obstacles puissent se présenter comme des opportunités pour aller un peu beaucoup plus en avant. Voilà ce qui a justifié, je dirais, notre présence en ces lieux, en ces beaux cadres du Palais du Peuple. Bon,
en tant que politique, parce qu'il faut le savoir, je suis politique. Quand on dit conseiller, être conseiller, c'est un personnel politique au sein d'un cabinet, du ministre. En tant que politique, j'œuvre dans plusieurs domaines. D'abord, je suis dans les domaines sociaux, je suis dans les domaines d'entrepreneuriat, je suis dans les domaines de formation des jeunes. Et donc, dans tout ce que je fais comme acteur politique, je mets toujours la jeunesse au centre de toutes mes activités, mais aussi l'appui à la jeune fille. Parce que nous devons le rappeler aussi que le président de la République lui-même, d'abord le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, a été récemment plébiscité comme étant le champion dans les domaines de la lutte contre les violences faites à la jeune fille, mais aussi à la femme. Et cela n'était pas seulement au niveau national, c'était au niveau africain. Et donc, nous sommes dans cette philosophie-là, comme d'abord politique, d'accompagner la jeune fille pour son épanouissement. Mais comme conseiller, là c'est un domaine professionnel, nous œuvrons dans beaucoup de situations similaires aussi en la matière, parce que l'Excellence Anne-Marie Karoumé, c'est une dame, vous le savez, c'est une dame. Elle est dans, je dirais, beaucoup d'activités qui appuient la femme à aller de l'avant. Bon, les projets d'avenir, je crois, ça, il faudrait poser la question aux organisateurs et organisatrices. Je crois bien. La jeunesse congolaise, pour retenir, c'est l'implication, la détermination, l'autonomisation. S'ils ont des projets ou bien s'ils veulent faire quelque chose, qu'ils puissent bien planifier et pouvoir ne pas se fatiguer. Des fois, la vie, il y a des hauts et des bas, mais qu'il y ait un changement. Qu'ils soient pas. Parce qu'il y a ceux qui essayent, ils peuvent essayer une ou deux fois, après ils se fatiguent. Si tu as vraiment besoin de quelque chose, et tu sais très bien que ce que je suis en train de faire est dans le bon, persévérer. C'est ce que je veux dire. J'appelle aux jeunes filles de la persévérance, mais dans le droit chemin, et faire pouvoir faire quelque chose, parce que la jeunesse, l'avenir de demain, c'est à eux. Voilà. Ouais, je m'appelle Madame Nadine Waters-Nzambo, la promotrice de l'école Les Amis de Daniel. C'est une école des enfants avec handicap mental et déficience intellectuelle. Merci. Merci beaucoup à côté les mamans, ma camion sur Barossa là, et Zala, na lolenge à Kitoko, parce que ndenge baboti na biso na bakoko na biso bazala ki mukileza ko bongwa ma mukileza ko makambo ebelezo salema oto zala ki na ona tango na biso te. Alors, tozo singa bilenge basi, c'est vrai qu'il y a un bangonga oyo. Et ça, le sou, ndenge salakate, mais ba y kampiko, pe ba diye ba ke, eloro bazo sala, basa la on a ndenga bolam. Ba jeune fille belé, ba komika moussa na bango, depuis bazala ki na ba TikTok, ba luka sou moussa la te balingi via bo peta facilité. Kote kanzoto, makambo belé, belé, ou bien ko landa ba ninga. Tozo singa na bango, ko landa landeza ki to kote. Ce qui a zan la détermination na e, a yebi ke tenga son na rosale loko boe, e ko to sa mape e ko sale, ma na zo singa bango, en tout cas, basa la na courage makasi ba ye ba ke lo, na minute yo ba mona ki tozana ba lo elenge elenge me er moko ba roko ma rapé mikolo ba rotalaka na sali nini na bomo inanga vinanga eleki na sali nini. Alors sikoyo ndi faut ko préparer à venir na bango ba bosa na ngote baza elenge sikoyo mais dans quelques années ba roko ma rapé ba koko so ki nzambe a prêté biso vie. C'est une activité très intéressante qui a permis à ce que les femmes qui ont fait un certain parcours puissent partager l'expérience avec le jeune. Et je crois que là, nos enfants sont sortis édifiés. C'est comme on a écrit la Bible, hein. On dit que la Bible, l'Ancien Testament, sert d'exemple à suivre pour les nouveaux. Donc nous, nous sommes de l'Ancien Testament et nos jeunes enfants sont du Nouveau Testament. Nous sommes venus juste leur dire que le parcours est couronné de succès et d'échecs, mais ne vous abaissez pas, tenez bon et vous irez très loin. Il faut que le quota de la femme soit consommé convenablement sur base des compétences. Voilà en gros ce que je peux dire. Bon, pour la jeune fille congolaise, moi je l'ai toujours dit, qu'elle fasse de la police le métier de choix. Qu'elle n'attende pas chômer et puis venir, non. Qu'elle vienne à la police, c'est un métier noble. Elle aura le temps
de mettre en pratique tout ce qu'elle a appris et elle va se retrouver comme nous, aujourd'hui, nous nous retrouvons. La police est un métier noble. Ce n'est pas réservé à la jeunesse désœuvrée, aux enfants qui n'ont pas la tête, mais c'est pour des têtes bien faites. Question d'avoir son diplôme d'État. Elle adresse une demande d'emploi, elle s'enrôle, on la forme, et voilà, c'est parti. Je crois que c'est un bon métier. De jeunes dames, de jeunes filles, qui visent à mettre en place un écosystème de jeunes filles, bien sûr, engagées pour contribuer au développement de la RDC. Nous voulons bien sûr quitter nos silences pour dire non aux injustices, afin d'avoir une société égalitaire pour le développement, afin d'atteindre les objectifs durables. Nous avons notre ODD 5, nous avons notre ODD 6 et puis notre ODD 7 qui nous demande l'égalité, l'égalité des sexes, l'égalité des genres. Voilà. Africa cool, et ben cool, ouais. Africa cool, et ben cool, le quoi cool ma topi, après toujours, 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 après vous, toujours, toujours, après vous, c'est bon. Et sa chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et sa très rapide, et sa chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons dit que nous avons dit que donc, ils ont vraiment été au balo bakaki, bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zanamoana, massivement. Africa cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc, Eza et Lorona Bissot, Tosepe Laranango, Yango, chaque fois son aïe na Kishasa, il faut namona Africa Cool. Il y a une chaîne où Eza impartiale. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotetala. YouTube yemoko à reconnaître que na pona ki mabete au moni ba choix to salaka ba réflexion to salaka tikala ka abonné à Africa Cool. Voilà. Tikala comme ça to partager. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino mutu bo s'abonner parce que trophée ezali ya Bino. Voilà. Ezali partager. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup.